Si je vois la PS5, la vidéo s'arrête et je dois chercher Keiba sur Google. Bon, c'est parti, au moins j'ai la référence de ton commentaire. En fait, Keiba, c'est un personnage de Yu-Gi-Oh! Et qui ressemble vachement à la PS5. Enfin, c'est pas sa tête, c'est surtout son col un petit peu bizarre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a PS5 en première suggestion de recherche. Donc nous, on va rester sur ce qu'on a tapé, donc on prend le premier. Keiba, c'est parti. Regardez. Alors déjà, c'est bon, il n'y a pas de PS5, on est cool, c'est bon. On peut parler tranquillement, la vidéo ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc c'est vrai qu'on voit pas mal de PS5 si on regarde que son col comme ça, sur certaines photos plus que d'autres. Mais oui, là par exemple, là j'ai l'impression de voir la PS5, là vraiment. Là vraiment. Bon, on va descendre tranquillement, je ne sais pas vraiment si on va le trouver, parce que c'est quand même... voilà, ça reste Keiba, c'est un personnage qui a son histoire, il a beaucoup de choses à raconter, il y a quand même... Ben regardez, il a même son truc, ça Funko Pop, tranquillement. Il y a tous les decks, toutes les cartes qui sont liées à Keiba qui vont sortir, donc je ne pense pas la trouver directement, même si vraiment, je suis vachement attentif parce que j'ai l'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, de le voir partout. Ça, c'est son petit frère, je crois, son petit frère à Keiba. Ça, c'est Yu-Gi-Oh! Bien sûr, en tout cas, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et j'ai envie de revoir Yu-Gi-Oh! Clairement, je vous le dis, c'est trop trop bien. Alors du coup, la suite, il n'y a rien du tout pour l'instant. Je suis pas sûr qu'on va le trouver si facilement. Hein. Là, j'ai l'impression de voir la PS5 là un petit peu. Mais non, ce n'est pas elle. Allez, on descend. Gem Force, d'ailleurs, c'est un jeu qui a bidé. Ça, c'est un jeu de combat où il y a pas mal de... Je parle, mais en même temps, je regarde partout parce que c'est vrai que ça pourrait arriver. C'est vrai que des fois, je descends un peu vite. Et voilà. Oui, du coup, Jump Force, ça a un peu bidé. Bref, on s'en fiche. On n'est pas là pour parler de ça. On veut trouver la PS5, si possible, sans aller trop vite, de peur de la louper. Oh, putain. J'ai vu une mallette comme ça. Je sais pas. J'y ai cru pendant 2 secondes. Non, vraiment, vraiment. Là, il y a la PS5. Quoi. On peut pas le nier. Elle est clairement là, la PS5. Donc, non, toujours pas. Des petits dessins assez sympas. Mais on ne le trouve pas. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un jeu... Ah, c'est dans le style de Super Smash Bros. Ultimate qu'ils ont refait un petit peu son personnage. Bon, allez, on va aller un petit peu plus vite parce que je ne le trouve pas. Il y a Pokémon. Je sais pas si c'est le premier truc Pokémon qu'on voit, mais moi, j'ai pas fait attention. C'est le premier que je vois. J'ai déjà joué à ce jeu. Ça me dit quelque chose. C'était sur Game Boy Advance, je crois. Toujours rien. Là, il y a... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est vachement beau, ça. C'est un deck légendaire. Non !